C'est grave. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors, je m'appelle Lisa Dan, j'ai 16 ans, je suis en classe de première et j'habite en Lorraine, à Sarreguemines. Et alors Lisa, que viens-tu nous proposer aujourd'hui ? Alors, j'adore reprendre des musiques années 80, prendre des accords un peu... Tu vas me séduire parce que j'adore les années 80, Lisa. Ah, super. Tu as envie de te lancer un challenge ou de te faire connaître, tout simplement ? Alors déjà, je viens parce que j'adore chanter, mais surtout, je viens parce que les années 80, les jeunes de mon âge, ils connaissent pas trop. Du coup, je viens un peu pour montrer les jolies chansons de l'ancien temps, quoi. Voilà. De l'ancien temps. Ok. Les années 80, c'est l'ancien temps. C'est la meilleure vanne de la soirée. Elle a 16 ans, c'est Golden normal. Buzzer. Non, elle a 16 ans, c'est normal. Mais tu sais que les années 80 sont très tendance. Il y a quand même des titres des années 80 qui sont cultes aujourd'hui. Non, écoute, moi j'ai bien hâte, alors on t'écoute. Et tu kiffes Weshden et Jul ou pas ? Je préfère les années 80. Bon, et voilà, et voilà. Merci. Ravissante cette jeune fille. Elle est gracieuse. Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous les tapis du vent. Voyage, voyage éternellement. J'en ai des frissons. C'est charmant, hein? Charmant, ça. Elle pose le décor, là. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, c'est joli, plus loin que la nuit et le jour. Oh, que c'est joli, ça. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Alors là, écoute, oh ben, Lisa, écoute, la dernière fois que j'ai eu ce sentiment-là, il y avait un garçon avec les cheveux longs, avec une petite barrette, et il est arrivé, il a fait « Je m'appelle Lolita ». Il a repris Alizé, et il l'a remise au goût du jour, on a vu sa personnalité, et c'est la deuxième fois dans ma vie que je ressens ça. Voilà ce qu'on appelle une reprise. Mais c'est magnifique! Le dénuement, la simplicité, le décrochage dans ta voix de tête, quelques notes que tu as changées peut-être pour moderniser un peu la mélodie. C'est d'une intelligence! Le plus dur, c'est la simplicité. Je suis bluffée. Vraiment, vraiment, Lisa, tu as super bien travaillé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des covers et je trouve que parfois, ce n'est pas du tout nécessaire. Surtout dans le confinement. C'est-à-dire que le propre d'un cover réussi, c'est que la personne se le réapproprie et l'emmène ailleurs. C'est ce que tu as fait, tu nous emmènes dans ton univers. Ton univers, il est rempli de ce souffle que tu mets sur tes notes. Ça, c'est très, très beau.
Et en fait, on sent que tu as de la puissance derrière et tu ne trouves pas nécessaire de devoir faire une démonstration, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord? Oui. Et ça, ça m'a énormément plu. Génial. Elle est intelligente. Je suis d'accord avec Hélène et Marianne. Je déteste quand les chanteurs font des covers qui sont exactement comme l'original. Et quand les gens font des accords différents et changent la chanson, ça peut ou être très, très bon ou très, exactement, très mauvais. Exactement. Là, c'est très, très réussi. Merci. Très, très réussi. Et j'aime la tristesse de la version de Voyage, Voyage, parce que ça représente bien les voyages en 2020, après la pandémie. Écoute-moi, c'est le baromètre du frisson. C'est à ça que je vois si je passe un bon moment ou pas. Et je vois à quel étage ça s'arrête dans mon corps, etc. Et là, c'est vraiment parti des orteils et c'est monté jusque-là. Donc, il y a vraiment un grand frisson. Merci. Nous, Semi-Mont, on n'a pas les oreilles de nos deux collègues. Elles ont été absolument charmées et nous, on a passé un très bon moment. On va voter. 1, 2, 3. Oui. Merci. Ça fait 4 oui. Bravo, Lisa. Le désert. Dernière cigarette, plus rien ne bouge. Ouais, tout de suite les frissons. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. Il m'entraîne la nuit. C'est magnifique. J'ai trop fait des frissons. Les démons de minuit. Ils m'entraînent jusqu'à l'insomnie. C'est magnifique. Les fantômes de la mer qui se balance, je veux un disque de funky music, faut que ça danse, j'aime cette fille sur talons aiguilles qui se déhanche, ça met un peu de chaleur au fond de mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les fantômes de l'ennui. T'attendais vraiment ce soir. On t'attendait tous parce que on voulait voir si c'était juste un one shot ou bien si t'allais encore nous entraîner au bout de la nuit. Et en fait, tu nous as complètement transportés une deuxième fois. Je pense que Émile doit être très content d'entendre une fille de ta génération reprendre ça. Mais ce que je trouve génial, c'est que la musique populaire, finalement, elle est dans les cœurs de tout le monde et on peut aussi lui donner une note noblesse. Bravo. Merci. Au bon endroit, au bon moment, avec la bonne chanson. Bravo à toi. Lisa, t'es déjà une star pour moi, vraiment. Merci beaucoup. Parce que t'as l'élégance d'une star, t'as la sobriété d'une star, t'as l'humilité d'une star et tu rayonnes comme une star. T'as tout pour toi. Merci beaucoup. T'as tout pour toi. Fonce et j'achèterai tous tes albums. On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos
ailes se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va s'aimer sur une étoile ou sur un intéressant ce que tu proposes, parce que finalement tu fais redécouvrir que derrière des tubes qui semblent d'une autre époque, comme tu l'avais dit, il y a des grandes mélodies qu'on n'oublie pas, et aussi cette chanson qui était festive à la base, eh bien on s'aperçoit que c'est une chanson d'amour avant tout, et tu as mis les sentiments pour qu'on se rende compte qu'il y avait beaucoup de cœur dans cette chanson. Cette année on a des très belles voix et tu en fais partie. Voilà, merci pour ta présence. Merci. J'ai mis plus de temps à rentrer dans l'univers que les deux précédents passages. Il m'a fallu au moins la moitié de la chanson pour vraiment partir avec toi aujourd'hui. J'ai trouvé très beau l'arrivée du violoncelle. Ça rajoute quelque chose de ta qualité artistique. Ça veut dire que tu es capable de jouer en groupe, en duo. À chaque étape, on voit la professionnelle. Voilà. Moi, je serais content de venir voir un de tes concerts. Merci beaucoup. Je suis très d'accord avec Eric. J'ai senti que ce n'était pas la meilleure des trois performances. Je pense que c'est aussi parce qu'on perd la surprise. C'est qu'on n'avait pas les frissons de la première fois, cette magie des deux premières fois. Mais même à ça, j'aimerais voir un spectacle complet. Et comme ça, on te découvrirait beaucoup plus détendu. C'est sûr que c'est une finale, donc il y a ce niveau de stress qui embarque aussi. On le ressentait et je pense qu'on le voyait dans tes yeux aussi. Lisa, ça ne m'a pas dérangé que ça soit triste, la chanson. Moi, je reconnais ta patte. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que tu as progressé vocalement. Tu t'es permis des notes pleine voix. Et je trouve que tu as fait un parcours dans l'émission absolument magnifique. Ouais. Je suis bien, bien fière que tu sois dans cette 15e saison avec nous. Bravo, merci Lisa. Beaucoup. Merci beaucoup.